Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage qui va compléter la vidéo précédente concernant Paco Benitez, puisque dans un premier temps, le jeu que je vais effectuer va lui être destiné. On va essayer au travers de ce premier tirage de cibler un petit peu où il en était dans sa tête et dans sa vie et qui il était. Donc, je vous propose de vous retrouver dans un instant avec la lecture des cartes. C'est parti, nous allons donc pouvoir nous occuper tout de suite de regarder ce tirage dédié donc à Paco Francisco Benitez. Donc la première carte, c'est le repentir. Donc on est sur une personne qui s'en veut excessivement de ce qui a été commis. C'est une personne dont on sait qu'il a laissé une vidéo qui a essayé de, jusqu'au bout, visiblement, se dédouaner de quelque chose qu'il aurait de grandes chances d'avoir commis, si je peux dire ainsi, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de culpabilité sur ce monsieur, hein. Il est décédé avant toute instruction. Mais les traces vont bien dans ce sens, si on considère les éléments que j'ai dit dans la vidéo précédente. Donc avec ce repentir, on est dans l'énergie du bâton. Et ici, on nous dit qu'il allait être dans l'embarras. On va compléter cette carte avec une suivante comme toujours pour comprendre un peu mieux. Alors, il était dans l'embarras à cause d'une fille sincère. Et ici, je pense clairement à sa fille. Comme je le disais lors de la vidéo, il est possible par exemple que celle-ci se soit disputée avec son père. En tout cas, on peut imaginer que celle-ci ait pris position ou ait assisté à quelque chose et que c'est pour cela qu'elle aurait elle aussi malheureusement disparu. Cette notion de fille sincère, c'est une relation stable et un amour mutuel. Donc je pense vraiment à sa fille parce que j'ai l'impression, en tout cas, que ce monsieur n'était pas capable d'aimer quelqu'un réellement. Et j'ai l'impression qu'on est quand même face à une personnalité qui me semble être, compte tenu des éléments que j'ai trouvés en faisant l'enquête, peut-être sociopathe en tout cas, avec des grosses difficultés, semble-t-il, pour s'attacher. Alors, je ne suis pas psychiatre, mais il a des traits de personnalité qui font penser à cela. On va regarder. Alors là, on a le voyage. Donc, il a effectivement beaucoup voyagé. Comme je vous disais, il a parcouru 5000 km. C'est énorme en l'espace de quelques semaines. Et c'est ce que des personnes font en plusieurs mois, hein, en temps normal. Donc là, on nous annonce bien effectivement qu'il a pris la route et qu'il s'est mis en route. On va compléter avec une autre carte pour vérifier. Mais ce voyage-là était bien dans le but de retirer quelque chose dans son intérêt. C'est le soir, c'est compliqué. Ouais, donc un voyage qui est lié à la malhonnêteté et qui donc du coup n'était pas empreint en tout cas de quelque chose qui était très très solaire. Hein. Là on est sur un voyage donc dans lequel on nous indique que c'était bénéfique pour lui, mais pour cacher peut-être cette malhonnêteté. En tout cas, c'était pour ici cacher quelque chose par rapport à quelqu'un avec qui il s'était disputé.
Et là, on a cette notion qui vient compléter l'information, c'est le pape renversé. Et c'est quelqu'un qui est fourbe et sans scrupule. Donc, il a agi vraiment sans scrupule. C'est bien l'impression, en plus, qu'il donne comme ça, quand on le voit, de prime abord, malgré ses pleurs. N'en déplaise à beaucoup de gens qui pensent qu'il n'aurait pas agi, hein, bien sûr. Faut parler au conditionnel, là aussi. Le mariage qui ressort. Ouais. Le mariage qui, pour lui, finalement, cette union était peut-être un vrai problème. Ah, alors l'espion. Donc, effectivement, Monsieur Benitez est bien dépeint ici comme une personne qui est excessivement jalouse, qui se mêle des affaires de sa conjointe, de ses conjointes en l'occurrence. Mais là, on insiste sur sa femme, puisqu'on est sur la relation officielle ici, la relation de mariage avec le contrat, la signature. Donc, on est bien sur Marie-Josée cette fois-ci. Ici, on a eu certainement Alison qui ressortait. Et là, on est plus dans la relation avec sa femme. Et effectivement, on voit que c'est un monsieur qui était dans le contrôle permanent. Et avec cette carte qui ressort, ici, on nous parle d'une personne qui savait complètement fermer la porte aux indiscrets sur ce qui se passait dans sa vie de couple. Donc, c'est une personne qui, de nouveau, ressort comme manipulatrice. Le deuil qui s'ensuit. Je suis toujours étonnée des cartes qui arrivent en même temps, dans ce cas précis, effectivement, on ne peut pas penser autre chose que malheureusement, il n'y a pas d'espoir de retrouver en vie Marie-Josée et Alison. Ça nous est bien confirmé au travers de cette carte, parce qu'ici, cette carte porte le deuil sur les espoirs. Donc de toute façon, pour lui, il n'y avait aucun espoir non plus. On peut penser à sa situation puisqu'il a souhaité mettre fin à ses jours. Et là, c'est la fin vraiment de tous les espoirs. Et l'arbitrage. Donc effectivement, ici, il a eu très peur du jugement. C'est sans doute ce qui a motivé sa propre mort. Cette notion de deuil ici était liée à la peur du regard d'autrui. C'était vraiment quelqu'un qui n'aurait pas pu assumer certaines choses, en tout cas, face à des interrogatoires. C'est une personne à qui il aurait été impossible d'apporter un témoignage ici. Donc avec cette carte du jugement dernier renversée, on nous dit ici que, eh bien, que ses espoirs étaient vains. Et potentiellement aussi, on pourrait nous dire qu'il a essayé de se confier quand même à certains amis qu'il aurait aimé. Et là, je pense peut-être à sa dernière maîtresse avec qui il est resté au téléphone. Mais c'était trop tard de toute façon. Il n'y avait plus d'espoir déjà. C'était, dans sa tête, c'était noir. Bon, alors le célibat maintenant. Alors ce qu'on sait ici, et c'est marrant que le célibat arrive juste derrière le mariage, c'est que lui, il avait une notion de l'engagement qui était toute relative. C'est-à-dire que visiblement, monsieur se permettait d'être jaloux tout en ayant de multiples aventures dans le dos de Marie-Josée, et c'est ce qui a certainement causé sa perte. Ici, il nous est dit clairement avec la carte de ce célibat que c'est une personne qui n'était absolument pas prête ni à se marier ni à se lier. Alors, on peut aussi essayer de voir avec la carte qui va suivre qu'est-ce qui pouvait bloquer dans sa tête pour ses relations sentimentales. L'affection. Donc, c'est ce que, bah, là aussi, hein, ça rejoint vraiment mes ressentis. Pour moi, on est sur une personne qui est handicapée au niveau affectif. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à être dans le ressenti. C'est quelqu'un, je pense, qui était excessivement dans le contrôle, et même lorsqu'il paraissait très spontané, je crains qu'il ne l'était pas. Je pense que cette personne est une personne qui aurait aimé pouvoir ressentir beaucoup de choses, mais qui n'en était pas capable. Et ici, avec cette carte, on nous dit vraiment qu'il a eu toutes sortes de convoitises autour de lui, et d'aide proposée, d'amitié, on va dire, je pense, plutôt féminine, puisque ça touche sur le célibat. Donc c'est un homme qui était vraiment très convoité, et une personne qui pouvait se limiter au strict minimum dans ses échanges à autrui.
C'est certainement une personne qui était capable d'écouter les autres, mais de ne pas du tout parler de lui-même. Je ne serais pas étonnée que ses maîtresses disent qu'elles ont eu l'impression de ne pas du tout le connaître, en fait. Vous voyez, la fausseté s'ensuit. Donc c'est tout à fait lié, hein, puisque ici, on est vraiment dans ses propres contradictions et qui apporte ici cette fausseté, cette manipulation de nouveau, ce côté mesquin pratiquement, j'ai envie de dire. Ici, c'est quelqu'un à qui on a menti, mais qui mentait énormément aussi. Et c'est une personne ici, alors la carte qui précède, donc la carte de la fausseté, nous indique ici, normalement, en temps logique, que c'est une personne à qui on a menti. Donc, il est possible qu'il ait découvert que sa femme lui cachait des choses ou que sa fille lui cachait des choses. On sait qu'il avait découvert qu'Addison était au courant de ses relations. Donc là, on voit qu'il a été mis à mal et que la carte de la probité qui arrive nous parle ici d'une personne qui a pu lui proposer éventuellement son aide, une personne qui vient d'un petit peu plus loin, d'un autre département. Quelqu'un à qui il a confié qu'il se faisait prendre pour un imbécile, quelqu'un qui lui a dit en gros qu'il pourrait s'appuyer sur lui. Donc il semble quand même, et c'est étonnant, mais je vous le dis tel que les cartes le présentent, il se peut qu'il ait eu besoin de mentir à une personne qui lui proposait son aide dans cette histoire. Donc je pense que quelqu'un a eu des doutes, a essayé de le faire parler, mais qu'au dernier moment, il n'y est pas parvenu. Mais quelqu'un de ses proches a vraiment essayé ici. Peut-être, c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de sa maîtresse en Espagne, mais là je pense plus à un ami, à un proche masculin. Et c'est intéressant parce que cette personne a pu peut-être témoigner des informations auprès des forces de l'ordre. Alors, l'incapacité, c'est donc la mort hein, qui est renversée ici, mais c'est la carte de la mort. Et cette carte de la mort qui peut signifier la fin de la vie comme logique, mais qui peut signifier la fin des cycles, la fin de quelque chose, et peut-être sa volonté de mettre fin, voilà, à une certaine vie qui ne lui convenait plus. Et là, on a la sagesse qui arrive en complément avec cette mort. Et on voit bien que monsieur a cédé à des instincts, a été ici incapable de raisonner, semble-t-il. Sinon, je pense que Addison et sa mère seraient revenus au moment où il s'est donné la mort. Et ici, on nous dit vraiment qu'il fallait qu'il se soigne. Il était dans un état de trouble mental important. On me parle avec cette carte de sagesse également. C'est la carte du chaos. Et ici, c'est vraiment une incapacité mentale. C'est comme si tout avait grillé dans son cerveau. On peut nous parler ici de mauvais présages entre un homme et une femme, par exemple. Mais pour moi, c'est une carte qui est presque... Cette incapacité avec la sagesse renversée, c'est pour moi quasiment un burn-out, quelque chose de l'ordre du cerveau qui vrille, en fait. Peut-être qu'il a menti trop longtemps et que ça commence... c'était plus possible pour lui de gérer les projets. Oui. Les projets avec le changement. Donc effectivement, il avait ce grand épuisement mental parce qu'il avait mis à profit, je pense, depuis quelque temps, des projets pour la suite. Je crois que ce qu'il envisageait, c'était peut-être pas que tout se finisse ainsi, puisqu'il avait visiblement, en tout cas, et c'est ce qu'il a laissé entendre jusqu'à la fin à sa maîtresse, envie de la rejoindre, de faire des choses avec elle. C'est un homme qui n'a jamais hésité à emmener sa fille voir sa première maîtresse, Monique, je crois. Donc Addison la connaissait et il s'est servi de tout ce qu'il pouvait, je pense, pour séduire les femmes. Et là, on nous parle vraiment plus, avec le 7 de coupe retourné, de projets qui étaient pas loin de se réaliser. Il aurait pu franchir ce cap et pouvoir apporter ces changements dont il avait besoin à sa vie.
afin eh bien, de pouvoir passer à autre chose. Je pense que ici, sa maîtresse a pu lui proposer, par exemple, à un moment où il n'avait pas encore commis l'irréparable, de vivre avec lui, de partir avec lui. Les choses lui ont été proposées et il y avait bien d'autres alternatives qui s'offraient à lui. Il ne faut pas oublier aussi qu'il se faisait passer pour la victime de son couple, d'une femme qui ne le désirait plus, sans expliquer que lui était aussi très colérique et très infidèle. Là, on a le cadeau qui arrive. Le cadeau qui va aller avec le chagrin. Ouais. Voyez, pour moi, c'est ce côté-là, Benitez, Paco Benitez. C'est vraiment ce double discours. Ce côté ici, je t'offre quelque chose qui va te tuer. Je t'offre la libération quelque part. Ici, le chagrin, comme vous le savez, c'est partir, c'est mourir un peu. Et pour moi, on nous explique comment il s'y est pris. Je pense que ce monsieur a menti. Il s'est fait passer, a fait passer peut-être un faux message à sa femme, en lui proposant peut-être d'aller faire un tour, en lui montrant des beaux aspects, en lui demandant peut-être un service, en lui disant qu'il avait besoin d'elle. En tout cas, il avait déjà une idée en tête à ce moment-là. Et ce cadeau était un cadeau empoisonné. À partir du moment où elle a pris la route, peut-être avec sa fille d'ailleurs, eh bien, elles ont signé leur arrêt de mort. Donc, il est possible ici quand même qu'elles aient été transportées. Alors, est-ce qu'elles étaient toutes les deux décédées ou pas? Ça, je ne sais pas. Là, on a le contrat. Alors, on ne peut pas vraiment parler de contrat dans la mesure où je pense quand même que, bah, on ne peut pas dire qu'un père mette un contrat sur la tête de sa fille, puisque c'est lui qui a agi tout seul. Par contre, c'est le 4 de bâton ici qui nous dit en général qu'un accord préalable a été signé. Alors, il se peut ici que cet accord préalable est un bon accord en plus, hein, que ça lui est profitable. Donc je pense qu'il avait vraiment pensé la chose avant d'agir. Je ne sens pas ici forcément de jour précis, mais de schéma d'action, si. Alors, ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'il avait, pour moi, c'est pas quelqu'un, si vous voulez, qui pensait un jour tuer sa femme et sa fille, pas du tout, mais c'est quelqu'un qui potentiellement aurait déjà pu enlever la vie d'autres personnes au préalable. Et du coup, c'est en ça que je veux dire qu'il se peut qu'il se savait déjà dangereux. Pas qu'il ait déjà anticipé qu'un jour il allait pouvoir faire du mal à son enfant. Je ne pense pas. Ici, il n'a pas eu d'autre alternative dans sa tête, je précise bien. Et je pense qu'il en est arrivé là uniquement pour essayer de se protéger du regard des autres, et c'est encore plus dramatique. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais assumé ce qu'il était, et c'est une personne qui, ici, est une personne mauvaise, avec cette carte qui ressort, parce que c'est une personne qui a toujours, toujours, fonctionné comme un légionnaire. Cette partie contrat, si vous voulez, c'est cette partie j'ai une mission à effectuer, et qu'il s'agisse de sa vie professionnelle ou de sa vie privée. Je pense qu'on était possiblement face à quelqu'un qui pouvait d'un coup passer d'une nature sympathique à si quelque chose rentrait dans dans sa ligne de mire, dans son organisation, être totalement l'opposé. Je pense que c'est quelqu'un qui contrôlait beaucoup et que la Légion devait tout à fait convenir à contenir ce côté pulsionnel, mais aussi à pouvoir le libérer de temps en temps, puisque ses collègues eux-mêmes l'ont présenté comme quelqu'un, excusez-moi du terme, de queutard. Donc ses collègues, eux, n'étaient pas du tout étonnés du nombre de maîtresses qui ont été trouvées concernant ce monsieur. Alors là, j'ai l'espérance qui arrive avec l'amour. C'est tellement triste. Donc oui, ici il nous dit qu'il avait certainement très envie de refaire sa vie ailleurs.
Je pense vraiment qu'il attendait beaucoup de sa relation avec sa maîtresse. Pour moi, avec son épouse, il n'y avait plus de sentiments. Elle ressort très peu dans le jeu. C'est quelqu'un, je pense, dont il s'était déjà débarrassé, on va dire, émotionnellement au préalable. Il n'y avait plus pour moi de passion, si ce n'est de la jalousie et de la toxicité. Ici, il aurait pu, avec la carte qui représentait la carte de l'espoir, il aurait tout à fait pu s'en sortir et les choses auraient pu tout à fait s'améliorer au niveau de sa vie si il avait cru à ça. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours attiré autour de lui la sympathie des femmes. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne se dévoilait absolument pas facilement, en tout cas sur ses vrais ressentis. Donc il y a vraiment ce côté double personnalité. Ici, on a le retard. Alors je ne sais pas si dans cette journée, quelque chose pour lui ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Ici, on me dit qu'il n'aurait eu satisfaction que dans quelques temps. Et je pense qu'on l'aurait surtout invité ici à prendre le temps d'accepter une séparation et de faire les choses proprement. Voilà déjà avec ce premier jeu, nous allons maintenant découvrir avec le jeu de haut plus ce qui s'est passé au moment des faits et découvrir si éventuellement, eh bien, Paco Benitez pourrait être en lien, on va dire, avec les disparitions de Simone, qu'il a fréquenté pendant longtemps et qui a été portée disparue, et éventuellement également avec celle de Sarah. Car cette jeune fille, eh bien, était en lien avec Simone, elles étaient amies. Et il se pourrait du coup que Monsieur Benitez, si tant est qu'il ait un lien avec tout ça, les ait côtoyées toutes les deux. Ce qui donnerait donc un motif potentiel pour ces familles d'obtenir une réponse sur ce qui a pu se passer. Je ne vous cache pas que concernant Alison et sa maman, j'ai de gros doutes concernant la possibilité qu'on retrouve un jour leurs traces, quand je sais que malheureusement, lorsque des corps sont découverts, et cela visiblement arrive quand même relativement malheureusement et étonnamment. Eh bien, fréquemment, des personnes qui ne sont pas dépositaires de papiers d'identité se retrouvent enterrées sous X sans test ADN, puisque cela coûte visiblement trop cher de donner un nom à une personne défunte. Donc, c'est terrible, mais il est tout à fait possible que ces femmes, même si elles aient été retrouvées, si des ossements avaient été, eh bien, ait pu être enterré dans une fosse commune sans identité et sans plus de recherche. Pourquoi pas? Après, ce sont des suppositions, donc on pourra aussi essayer de regarder si un jour nous aurons trace de leur présence et que nous pourrons un peu leur rendre cet hommage, de leur offrir des tombes décentes avec, eh bien avec leur dépouille. Je pense beaucoup ici aux familles, aux amis d'Alison, aux amis de Marie-Josée et de ces autres femmes qui potentiellement ont perdu la vie ou en tout cas ont disparu depuis très longtemps. Et ces familles qui sont restées dans l'attente et dans l'incompréhension pendant si longtemps. Je pense aux frères et sœurs d'Alison qui ont eu du mal à imaginer, et à juste titre, que leur beau-père ait pu commettre quelque chose de si cruel. Ça doit être très difficile, j'imagine, de considérer qu'on ait pu vivre avec quelqu'un autant d'années sans le connaître. Et malheureusement pour eux, je pense quand même qu'avec quelques années qui se sont écoulées, maintenant 10 ans, l'acceptation a peut-être été possible pour eux et potentiellement ont-ils envisagé quand même l'hypothèse que Francesco soit bien le coupable dans la disparition d'Alison et de Marie-Josée. Je parle beaucoup, mais j'en profite pour mélanger les cartes qui seront dédiées donc à Paco. Paco, on va essayer de voir ce qui s'est passé dans sa tête ce dernier jour. Alors, pas le jour où il s'est donné la mort, la dernière fois où il a vu Marie-Josée.
qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là avec Marie-Josée, éventuellement Alison. Mais on va se concentrer une par une pour être sûr de cibler les réponses au mieux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre Taco et Marie-Josée en ce mois de juillet 2013? Moi, je pense quand même qu'il y a vraiment eu quelque chose de l'ordre de la dispute. C'est mon ressenti premier. Cette affaire, je m'en souviens bien quand elle est sortie, parce qu'on en a beaucoup parlé de par le fait qu'Alison faisait partie du comité Miss France et était avec Miss Languedoc-Roussillon en 2013, et qu'elle était très belle. Donc c'est sûr que c'est une victime entre guillemets parfaite, puisque c'est une femme blanche. Ça fait partie des critères de recherche. C'est fou qu'il y ait aussi des critères là-dessus, mais auxquels les personnes s'intéressent beaucoup. Il y a des profils comme ça. Allez, on va regarder donc avec Marie-Josée dans un premier temps où est-ce qu'en était Paco ce jour-là. Alors, on va regarder tout de suite les mots. Il y a eu un stop. On a mis fin à quelque chose, un jeu avec une personne qu'on considérait comme rivale. La honte, l'attitude, faillir, reculer et victime. Alors, d'ores et déjà, comme ça, juste avec les mots, pour moi, il est évident, et je peux me tromper, évidemment, mais c'est mon ressenti et mon analyse, qu'ici, dans la relation, il n'y avait vraiment plus rien. On est sur de l'arrêt. On va compléter avec des illustrations. D'ailleurs, je vais peut-être... Si, je vais garder ça. Je vais garder ça parce que je pense que dans leur relation, j'hésite avec l'autre, avec celui qui est fait pour les couples. Allez, donc là, on a une dame qui a une activité professionnelle illégale qui vend ses charmes, on va dire. Et on est sur le stop. Donc, je pense vraiment que ce jour-là, il y a eu une dispute par rapport à ses maîtresses. Je ne sais pas si il se rendait dans des... je ne sais pas s'il se rendait dans des endroits comme ça. Mais je sais par contre qu'il a rencontré Marie-Josée dans un bar à champagne. Un bar à hôtesse, si vous préférez. Et qu'elle travaillait dedans. Et du coup, je pense que là, on nous parle vraiment de quelque chose de cet ordre-là. Entre eux, il y a eu, à mon avis, une grosse dispute. Vous voyez, là, sur le jeu, j'ai la tempête. Et je pense qu'en plus, il y a potentiellement eu une mise... comme si je voyais un chasseur qui tourne autour de sa proie. Le rival, ici, est recouvert par quelqu'un d'isolé dans un bar. On voit ici que cette personne est totalement seule face à son ordinateur, à son téléphone. Je dis n'importe quoi parce qu'il y a eu un cri énorme. Alors, c'est mes voisins, quoi. Donc là, voilà. Pour moi, on est dans une fin de relation calamiteuse avec, je pense, beaucoup de tension derrière des apparences qu'il laissait encore penser peut-être qu'il se supportait. Il y a eu vraiment... Alors, moi je vous dis, il n'y avait plus d'amour à mes yeux, hein, mais c'est vraiment un jeu de cartes. Pour moi, ils étaient déjà dans une relation d'affrontement avec un isolement mutuel et réciproque, des gens qui ne partageaient plus rien à part ici. La honte, parce que je pense qu'il y a eu des révélations qui ont été faites et des choses qui ont été portées à la connaissance qui ont été humiliantes, et les cris, la peur. L'attitude ici par rapport à son épouse, eh bien, c'est quelqu'un qui se montrait voleur, potentiellement qu'il profitait pendant un temps au moins de son argent. Il est possible aussi, surtout, qu'il se soit comporté ici comme un voleur, dans le sens où il ne rentrait presque jamais chez lui, ou c'est quelqu'un qui était devenu un étranger dans son domicile, tant et si bien qu'il était retourné même vivre dans sa caserne peu de temps avant la fin de tout.
Donc je pense vraiment qu'ici, on nous montre qu'il était devenu totalement étranger à Marie-Josée et à son foyer, et qu'il avait vraiment cette attitude d'homme qui avance masqué sur ses intentions, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui ne se montre pas sous son vrai jour. La faillite, faillir ici avec la plage et le calme. Et je pense qu'on nous indique sûrement un lieu ici. Je pense qu'il y a eu ici une dispute, quelque chose comme je vous disais tout à l'heure, qui l'a fait sortir, qui a fait qu'elle a pu le conduire quelque part elle-même peut-être, et que ça a mal tourné. Là, vous voyez, il y a vraiment une volonté de s'arrêter, de mettre un stop sur la relation, mais également ici, peut-être une volonté de revenir en arrière sur ce qui a été fait. Et en fait, pour moi, il n'a pas pu le faire dans le sens où on ne peut pas malheureusement effacer sa vie, et qu'il a fait ce choix-là d'enlever peut-être la vie de cette femme à sa place. Et la victime, eh bien ici, c'est le vieux couple, la durée du vieux couple. Donc oui, pour moi, leurs relations ici sont celles d'ennemis et non pas du tout de couple. On va compléter, je vais recouvrir avec le tambour, avec les mêmes mots pour voir ce que ça nous complète. Ça peut nous indiquer autre chose peut-être de complémentaire et d'intéressant à étudier. J'ai fait danser le petit ange en cristal. Alors, le stop, c'est sur cette relation de séduction, ces relations sentimentales avec les autres femmes, ça se confirme. Le jeu qui était recouvert de cette tempête, de ce temps catastrophique, on est bien sur les relations qui sont catastrophiques et qui sont vraiment plus possibles. En fait, il n'y a plus de lien entre les deux. Là, on ne communique plus entre Marie-Josée et Monsieur Benitez. La rivalité qui s'instaure ici entre eux est synonyme de cette froideur. Donc pour moi, il y a de l'isolement et il y a de la froideur. Donc le couple était déjà mal en point. On a la honte ici avec les cris et sur cet attachement qui, pour ne rien vous cacher, est vraiment pathologique. Et je pense qu'on peut nous dire aussi qu'il y avait peut-être cette honte des relations autres du couple. L'attitude ici, donc on est bien face à quelqu'un qui se met un masque, et ici sur quelqu'un qui a des valeurs d'un autre temps peut-être. On va voir, je vais en prendre une autre pour affiner. Ouais, c'est ça, on est encore sur un vieux couple. Donc l'attitude ici, c'était de se montrer plutôt comme un couple sur le long terme, qui encaissait. Et puis il y a eu vraiment le pétage de plomb total. Là pour lui, ça a été un échec. Il s'est passé quelque chose non loin d'une plage pour moi, ça se confirme vraiment. Et c'est vrai que je pense que c'est tout à fait probable et possible qu'il ait emmené les corps non loin d'une plage. Reculer, on a donné le go, et là, il y a une autre relation. Je pense quand même qu'il a parlé avec quelqu'un de cette situation. Et moi, je pense vraiment à sa maîtresse espagnole. Pardon, c'est vraiment pas drôle, mais quand je parle de la maîtresse espagnole et que je sors cette carte et qu'on est sur les victimes, eh bien voilà pourquoi, semble-t-il, Marie-Josée a été dans cet embarras avec son époux. On va prendre une carte pour le couple, pour voir un peu ce qu'on peut nous dire sur ce couple, où est-ce qu'ils en étaient tous les deux, dans quel sens ils allaient. Ensemble ou pas du tout. On a une voiture qui tombe d'un ravin et qui va s'écraser. Non, c'est pas une voiture, pardon, c'est une vache. Une vache qui tombe sur une voiture. Voilà, 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 le couple était bien en danger. Voilà. Et il y a bien cette notion de quelque chose qui tombe. Donc on est bien sur la faillite, on est bien sur... Peut-être bien qu'il l'a poussé ici. Pour moi, vous voyez, on pourrait imaginer un grand dénivelé et qu'elle ait été, en tout cas pour Marie-Josée, jetée d'une falaise ou quelque chose comme ça. C'est possible. Je ne sais pas si son ADN à elle a été retrouvé, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il n'y a que l'ADN de sa fille qui a été retrouvé dans le congélateur. À vérifier, mais bon.
Voilà, je replie le jeu, je reviens vers vous avec un autre tirage qui, celui-ci, sera dédié à Allison et dans lequel nous allons voir les relations qu'entretenait donc Allison avec son père et qu'est-ce qui a pu se passer pour elle. On va cibler surtout sur ce qui a pu se passer pour Allison. Voici le jeu pour Allison concernant la dernière journée de sa vie. Alors, il semblerait que la vérité ait été faite sur quelque chose de générationnel, sur ses racines, sur des choses qui peuvent s'apparenter ici à mettre le grain en terre afin de faire pousser une certaine forme de vérité. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été mises à nu sur ses origines, sur ce terreau familial. Ici, il semblerait que quelqu'un lui ait donné rendez-vous, qu'on lui ait donné rendez-vous à Allison ce jour-là. On a pu lui faire croire à un rendez-vous médical. On a pu lui demander de rejoindre quelqu'un sous un motif médical. Quelqu'un peut-être... Alors ici on peut nous dire deux choses. On peut nous dire qu'on a prétexté qu'un enfant s'était fait mal et qu'il fallait que Allison rejoigne cette personne quelque part par rapport à cet enfant. Ou on peut nous parler de sa propre douleur liée à l'enfance ici. En tout cas ici, dès le début, il y a eu de la souffrance et de la peur avec une sorte de sacrifice qui a été fait concernant. Elle a été sacrifiée, Allison. Il y a ici quelque chose de sexuel qui ressort, hein, les parties génitales masculines sur l'humiliation la concernant. Terrible, j'espère que c'est pas du tout ce à quoi je suis en train de penser. Pour rien vous cacher, je suis en train de penser qu'il y avait peut-être du désir mal placé ici entre elle et son père. J'espère que non. Mais en tout cas, il y a eu une humiliation sexuelle avec un derrière quelqu'un qui a voulu s'excuser, demander pardon, mais c'était diabolique, c'était un monstre. Enfin, ça n'existe pas. Évidemment, pour moi, qualifier quelqu'un de monstre, c'est lui enlever sa véritable capacité humaine à être jugé. Et là, c'est son côté monstrueux. Il y avait des angoisses au niveau de son intimité ici. Ça n'allait pas dans son intimité. Je pense quand même qu'Alison, ici, ce jour-là, puisqu'on est vraiment sur le dernier jour de sa vie, est une fille qui a voulu probablement se rendre quelque part dans une bonne intention. Malheureusement, là où elle s'est rendue, il y a eu souffrance, peine et sacrifice, avec certainement une agression sexuelle, en tout cas ici de l'humiliation par rapport à ça. Donc soit dans les propos, soit dans les actes. Derrière, cette personne qui est en même temps humiliante est également capable de s'excuser. Donc on est de retour sur le côté bipolaire de la chose. Et il y a eu vraiment pour Allison une grande peur et une grande honte qui ont été ressenties dans quelque chose de très intime. Pour moi, il y a des écrits qui sont encore possiblement retrouvables la concernant. Elle a pu laisser des traces de ces choses-là. Autour d'elle, il y a vraiment la compétition. C'est quelqu'un pour moi qui, dans cette dernière journée, a été mise face à sa réussite comme si c'était une honte. Quelqu'un lui a reproché sa réussite et quelqu'un a agi contre elle par jalousie et par haine. Donc, je n'ai pas du tout le même jeu qu'avec sa mère ici. Hein. On est vraiment sur de l'envie, de la culpabilité, de la jalousie, du désir. Pour moi, il y a vraiment eu des échanges qui ont été communiqués au sujet d'une certaine jalousie et forme de compétition contre Allison.
Là, on rejoint des gens avec qui elle partageait une forme d'intimité, avec des gens avec qui elle se mettait à table et qui pourtant étaient des concurrents. On peut penser au mannequinat, pourquoi pas. Le stop ici avec la mère qui met son enfant en garde. La colère sur la tortue qui représente pour moi la longévité, donc les personnes plus âgées. La sagesse aussi. L'aversion pour l'argent. Je suis étonnée du... Je vais vous en parler hein, du tirage plus précisément. Mais malheureusement, voilà. Maintenant que j'ai toutes les cartes en main, ce sera plus simple. Je suis très étonnée du tirage que j'ai aujourd'hui pour Allison. La concernant, j'ai l'impression qu'elle a vraiment fait la lumière sur quelque chose qui touchait son éducation. Il se peut que cette jeune femme ait été victime dans sa jeunesse, pourquoi pas, de choses qui n'étaient pas, pas légales et vraiment pas chouettes pour une jeune femme. Ici, en tout cas, il y a une question qui est en lien avec la douleur et l'enfance. Pour moi, c'est possible qu'une tierce personne soit au courant et c'est une personne qui est une personne qui était jalouse d'elle, une personne qui a pu vouloir l'humilier et pas forcément une femme, pas forcément un homme, voyez le lapsus. Effectivement, on pourrait imaginer que le père réagit, etc. Pour moi, ici, j'ai vraiment plus de notions féminines qui ressortent que de masculin. Je n'ai pas du tout de relation avec le père qui apparaisse où que ce soit. La concernant, on est plutôt dans une relation pour moi. Alors, il y a l'homme hein, qui ressort sur ses agressions potentielles, sur cette humiliation, mais rien ne dit qu'il s'agisse du père. La carte du père n'est pas ressortie. Autant ici, on peut avoir une symbolique de la mère et de l'enfant. Donc, je pense que... possiblement, là, on parle d'autre chose concernant Allison, ce dernier jour de sa vie. On voit bien quand même qu'il y a eu quelqu'un qui, dans son entourage, était conscient d'un certain poids qu'elle portait sur ses épaules. On peut être très proche de quelqu'un et faire des confidences sur des choses qui nous ont touchées et dont, même après notre décès, cette personne ne parlerait pas pour préserver, par exemple... eh bien, pour préserver l'image de son amie défunte. Mais il y a eu des écrits, il y a des choses qui se sont... il y a des traces écrites. Et pour moi, il y a quand même vraiment de la jalousie autour d'Allison et de la compétition qui ont mené ce jour-là à une attitude où elle n'a plus pu, en fait, se taire et où elle s'est vraiment mise à table. Elle a dit, je pense qu'elle a voulu... mettre un point final, peut-être essayer de prendre le parti de sa mère ici, et que ça n'a pas pu être possible. Parce que ici, on est sur de la colère maîtrisée, certes, avec cette carapace, cette tortue, qui se déplace dans les années, et qui se déplace avec lenteur et avec cohérence dans ses mouvements, et ça couvre le côté de la colère. Et je pense qu'ici, on est vraiment sur quelque chose qu'elle a fortement ressenti, et qui a pu être ici quelque chose de négocié, de tarifié. Elle avait certainement la haine peut-être contre... c'est difficile à interpréter ce jeu. Là, je suis carrément partie dans mon mental et c'est pas bon. Excusez-moi pour ça, ça arrive parfois, pas souvent, mais là ça arrive. Donc je vais me recentrer... Ouais, pour moi, elle était au courant que son père allait voir partout ailleurs. Pour moi, il y avait vraiment besoin de rétablir une forme de famille la concernant. Mais je pense ici qu'elle était fortement impactée par ce qu'elle avait trouvé sur son père. Et je pense qu'on est possiblement dans cette haine et dans cette compétition avec la jeune maîtresse de son père, peut-être, qui venait prendre sa place dans sa vie si lui partait à cause d'elle, par exemple. En tout cas, ici, on ne parle absolument pas du tout du rôle du père dans quelque chose en lien avec Allison dans cette dernière journée. Je vais essayer de recouvrir comme préalablement avec le jeu du coup...
et des relations pour voir si ça nous donne quelques informations en plus. D'ailleurs, alors j'ai regardé, j'avais tiré une carte pour voir un peu comment sa vie s'orientait ce dernier jour. Et vous voyez, on a encore les métiers qui sont liés à vendre son corps ici, qui sont interdits. Et là, on a l'aversion avec l'argent. Quand même, je me demande si ce monsieur fréquentait pas des femmes tarifées, hein, en plus du reste. Pour moi, Alison, elle nous explique que elle souffrait depuis longtemps, en fait, et que sa douleur était installée depuis très longtemps, qu'elle subissait cette relation de couple qui ne la rendait pas heureuse. Et je pense que c'est quelqu'un qui s'en est livré dans des écrits, qui a parlé de tout ce qu'elle ressentait, de cette colère qu'elle ressentait, de cette haine, et peut-être même qu'elle a profité de ça pour demander à sa mère d'arrêter sa relation. Donc là, vous voyez, on est sur la relation père et fille. Et donc, c'est bien là-dessus que ce jour-là, la vérité a été faite pour Alison. Là, on voit qu'il y a eu un rendez-vous de données et que ce rendez-vous a conduit à une personne inconsciente que l'on transporte. Alors, on a une relation ici malade, patient et soignant. Et on a, à l'inverse ici, une femme qui se rue sur un homme pour le frapper et lui qui prend quelque chose pour l'assommer. Donc, on peut montrer ici qu'au départ, il se présente comme la sagesse, hein, cet homme. Et qu'ici, ça peut être des jambes féminines, vu le dessin. Même s'il ne faut pas genrer des jambes et blablabla. Et voilà, du coup, parce que ça, pour moi, ça signifie quand même qu'il y a eu vraiment un combat ici qui a été fait avec quelqu'un, avec un homme. Mais on ne nous dit toujours rien de plus. La douleur ici, vous voyez, sur ces enfants qui jouent, eh bien, elle est bel et bien liée à un homme qui doit être un petit peu narcissique et qui aime se regarder nu, visiblement en pleine rue face à un miroir. Donc, on peut penser à un côté très exhibitionniste et puis à un côté peut-être artistique maintenant, vu que tout est à la mode quand il s'agit d'être tout nu. Donc, pour moi quand même, c'est le narcissisme qui prime dans cette image. Et pour moi, c'est vraiment le côté du père qui ressort ici, puisque pour moi, il n'a jamais aimé que lui. Et cela impacte beaucoup la douleur d'Alison. Hein. C'est cet homme, en tout cas, qui est... Ça peut être le père qui est représenté cette fois-ci. La peur. Alors là, je vous explique, on avait l'autel qui était dessus. Et on a cet homme qui porte une femme tachée de sang brune. Lui, il est barbu un peu comme... voilà. Et elle est inconsciente, sacrifiée sur l'autel. Il est possible qu'il y ait eu des sacrifices faits autour de lui. Hein. C'est pas forcément lui qui a agi. Peut-être qu'il connaît des gens qui ont des rites bizarres pour se débarrasser. Vous savez, bon, je sais pas, je connais pas le milieu de la Légion. Mais bon, pour tout est envisageable, a priori. Donc là, on avait l'humiliation avec les parties génitales masculines et on est bien dans la relation de séduction d'un homme qui demande la main d'une femme. Donc là, on est vraiment sur la relation plutôt liée à une relation de couple envers Alison qui était vécue comme une humiliation, quelque chose de forcé. Quelqu'un s'est excusé ici d'avoir été très méchant et pourtant, vous voyez. Ouais, donc il y a eu de la violence qui a été faite sur Alison. Je pense que c'était pas volontaire. La personne ici, c'est un homme, s'est excusé. C'est quelqu'un qui a, pour moi, Alison, elle a eu très très peur. Il y a une grosse angoisse ici sur l'intimité, tout ce qui touche à la propreté, à tout ce qui peut aussi toucher les médicaments dans les salles de bain. Pour moi, l'angoisse est vraiment liée à l'intimité. Et ici, vous voyez, on a quelque chose de dysfonctionnel avec cet homme qui est avec cette femme dans cette position. Pour moi, on peut imaginer ici qu'elle a vu des choses qui m'ont profondément choquée quand même. Je pense qu'elle a pu être témoin ce jour-là de quelque chose qui l'a dégoûtée. Alors là, honte, on avait ces deux personnes qui se confiaient. Et là, cette fois-ci, on a deux personnes qui dansent. Moi, je pense qu'Alison ici nous répond et nous dit qu'elle a vu ce jour-là quelque chose qui l'a mis hors d'elle, l'a profondément répugnée et lui a peut-être aussi inspiré un sentiment de honte malgré elle.
L'intimidation, et on avait ici des écrits, et là on a un homme en cage. Donc ça peut nous parler peut-être autour d'Addison ici de quelqu'un qui se sent complètement prisonnier parce qu'il aurait pu savoir par des autres moyens quelques informations dont il n'a pas pu faire part à la justice ou que la justice n'a pas peut-être tenu en compte. Voyez là, on avait la haine avec la compétition et la corde qui craque. Donc ce jour-là, c'est pas anodin si on nous parle de compétition et de corde qui craque. Il y a eu vraiment quelque chose de. Ça se confirme quoi pour autour d'elle. Hein. L'attitude, donc on avait ici le repas, se mettre à table, voilà. Et ici, on est dans les énergies aussi de nourriture. Et là aussi. Donc je pense que quand même, pour moi, elle a assisté peut-être même dans son domicile à quelque chose qui l'a choquée et qui peut être en lien avec une relation sexuelle. Le stop qu'on avait tout à l'heure ici de la maman avec l'enfant. Donc là, vous voyez, on est sur une relation qui pour moi est adultérine parce qu'elle se passe dans les bois, elle se passe de manière étonnante. On a des couples, hein, qui aiment bien faire des choses dans la nature, mais c'est quand même pas très conseillé et surtout pas très autorisé. Et pour moi, c'est peut-être plus la notion cachée de la chose. Cet homme qui rejoint cette femme secrètement, et ici, c'est peut-être l'enfant qui demande à sa mère ce fameux stop par rapport à ça. La colère que ressentait Addison, eh bien, c'est sur cette répudiation de cet homme qui demande à sa femme de partir avec son enfant au détriment d'un autre foyer. Je pense vraiment qu'elle était au courant d'une double vie et de choses qui duraient depuis très longtemps. L'aversion, on a l'argent qui arrive ici et la personne qui vient pour jouer le médiateur dans le couple. Là, on nous parle quand même beaucoup plus de gens qui sont autour d'elle. Effectivement, on peut penser aux parents. L'affection qui grandissait ici pour Allison était de la part d'un homme qui la suivait aveuglément partout. Donc c'est une femme qui était aimée, je pense, au moment de sa disparition, qu'elle était en couple. Et là, on n'a rien pu faire, hein. C'est la disgrâce avec l'infirmière. Et la disgrâce qui est venue de la part de gens qui ont parlé de ça. Intriguant. On va regarder dans un dernier temps avec le jeu de haut, en peu de cartes, mais quand même pour savoir ce qu'il en est, si éventuellement Monsieur Paco Benitez pourrait avoir finalement un profil de tueur en série potentiel en fonction du nombre de compagnes qu'il a eues et qui ont été portées disparues, ou de connaissances qu'il a approchées et qui ne sont plus jamais revenues à la surface du globe. Essayons de déterminer avec ce jeu s'il est possible que M. Benitez ait été un tueur en série. Donc, on nous parle bien d'un homme qui se déplace ici. Un homme dont, en fait, l'intériorité, si vous voulez, là, la fourmilière, on voit toutes ces fourmis qui sont en extérieur, donc qui sont ressorties pour protéger leur reine. Ici, ça le fait rire un peu, en fait, de pouvoir manipuler son monde, de pouvoir se sentir au-dessus, comme celui qui organise dans la fourmilière. Je pense que c'était un grand pouvoir pour lui. On nous montre ce côté idiot d'avoir, vous voyez, ces relations-là avec cet enfant. On nous montre que c'est pas quelqu'un qui était fiable, en fait, hein, la mère avec la violence. Ah, l'humiliation, c'est quelque chose d'impossible, hein, pour lui.
je vais vous dire tout de suite. Ok. Donc pour moi, dans la réponse à la question que nous nous posons, savoir si potentiellement il aurait pu s'agir d'un tueur en série ou d'une personne qui aurait pu reproduire ses actions, la réponse pour moi est oui. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'une personnalité psychorigide ici. On nous parle de quelqu'un qui ne supporte pas de se sentir humilié. Une personne qui se sait certainement peu cultivée, où on a sûrement reproché à plusieurs reprises peut-être de ne pas être assez intelligent depuis l'enfance et qui a certainement eu, je pense, pour moi, hein, on nous le montre ici, des rapports très difficiles aux femmes, notamment à sa mère, avec de la violence. C'est un homme pour moi qui, face à l'humiliation, ne peut pas rester. Et une personne qui est dans une sorte de victimisation perpétuelle parce qu'il se sent agressé par plusieurs personnes. Et c'est quelqu'un qui, face à cela, eh bien, considère les personnes face à lui comme ses rivaux. Et c'est quelqu'un qui veut diriger ses rivaux ici. On va regarder, je vais prendre quelques autres cartes. Mais son tempérament, en tout cas, nous dit que c'est une personne qui est très dans la domination. Vous voyez, pour moi, on a une sorte de sacrifice qui revient. Et c'est vraiment quelqu'un, je pense, qui procède à quelque chose s'il a bien agi. Excusez-moi, je les prends un peu n'importe comment, mais je fais comme ça vient. Vous voyez, là, on a des choses qui viennent. Le père. Aimer, faillir, et en tant que père, je n'en doute pas, mon cher, je n'en doute pas. Donc pour moi, Monsieur Benitez est une personne qui, même dans sa mort, ne trouve pas la paix, si ça peut éventuellement faire du bien aux personnes qui ont connu ses potentielles victimes. C'est quelqu'un qui n'est pas en paix. C'est quelqu'un qui a manqué à ses obligations et qui ne voulait pas faire de mal à sa fille, j'en reste convaincue. C'est pas quelqu'un qui voulait non plus nécessairement ôter la vie de ces femmes ou s'en prendre à elles. C'est pas quelqu'un qu'on aurait pu qualifier comme ça de méchant de prime abord. Mais une fois que sa fierté, une fois que une certaine forme d'humiliation l'avait touché, il n'était plus lui-même. Et il devenait totalement psychotique, je dirais comme ça, même si je suis pas psy et que c'est qu'une analyse très brève. Vous voyez, il y avait un amour pur et sans faille pour le coup. Là, il y avait vraiment de la lumière Je pense que cet homme, effectivement, a pu se mettre à agir par frustration et par colère. C'est bien lui qui a organisé les choses pour sa fille. C'est la notion de père qui ressort là. Et on est sur la même carte que tout à l'heure pour Allison. Et effectivement, il a honte de ce qu'il a laissé comme trace, de ce qu'il a pu faire dans l'histoire de sa fille. Pour moi, on est bien sur une personne qui aurait pu, par manque de moyens, par manque de répondants, effectivement connaître plusieurs meurtres et éventuellement être responsable, en tout cas, de choses qui soient arrivées, de disparitions qui soient arrivées à d'autres femmes. Parce qu'il se prend pour le berger de la situation, celui qui domine, et que dans son plan, rien ne doit faillir. C'est une personne qui, malgré certainement des troubles pour en arriver là, est une personne qui sait se montrer scrupuleusement organisée, certainement de par sa formation militaire où on apprend, je ne dis pas à camoufler les corps bien entendu, mais à avoir une certaine logique, une certaine analyse et à savoir effacer ses traces. Surtout dans la Légion, on est face à des corps de l'armée qui sont très différents, n'en déplaise à ce que j'avais entendu de la part d'un légionnaire. Pour avoir travaillé dans ce domaine une nouvelle fois, je sais que ce n'est pas du tout la même chose. La Légion est un corps spécifique de l'armée. J'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je tenais ce soir à vous faire part, bien comme vous l'avez vu, du décès de Mélodie Mendes da Silva et de celui de Marlène Fasquelle dont j'ai publié l'information. Je tiens à apporter toutes mes condoléances aux familles respectives de ces deux femmes. Pour Marlène, il semblerait qu'il n'y ait pas eu l'intervention d'une tierce personne et pour Mélodie, si.
Dans les deux cas, je suis très attristée de voir que j'avais effectivement donné pas mal d'informations qui sont tout à fait cohérentes avec ce qu'on sait pour Mélodie notamment, et puis aussi le fait que Marlène ait bien été retrouvée noyée, comme cela avait été dit au travers des cartes. Donc pour les personnes qui ont toujours besoin d'être rassurées par des preuves, je pense que ceci peut effectivement vous rassurer. Et pour les autres qui me font confiance et qui savaient que je n'en tire aucun bénéfice personnel de ces tristes confirmations, eh bien je vous invite à avoir une pensée spécifique pour les familles des personnes qui sont tuées tous les jours et des personnes qui disparaissent, celles dont nous entendons parler et celles dont nous ne connaissons pas l'existence. Merci à tous pour votre bienveillance et je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt dans une prochaine vidéo.